Et salut les rocketeurs, c'est Gaspo RL, bienvenue aujourd'hui dans un nouvel épisode de la série 1v1. Rappelez-vous, on est en grosse win streak, on est 1280 et aujourd'hui on peut peut-être aller chercher le GC3. Donc il faut se concentrer, en plus au moment où je tourne, on est le 16 octobre, il nous reste 14 jours avant le prochain qualifieur du Salt Mine. Donc 2 semaines d'entraînement, il faut absolument, j'ai vraiment cet objectif de passer SSL avant ces 14 jours. Donc il faut vraiment que je joue très bien jusqu'à... pendant les prochaines semaines et j'espère pouvoir monter absolument en rank pour pouvoir m'entraîner contre des bons joueurs. Donc on va partir pour la game 1, c'est parti, jingle. Ok, première game, on est contre Nad, je ne connais pas ce joueur donc je sais pas s'il est fort. J'espère qu'on va réussir à s'en sortir, allez. Ok, il kick-off pas déjà. Bizarre de pas kick-off. Et un but, un premier but parce qu'il ne joue pas. Ça régale. Allez, on continue. Hop. Et j'ai un peu raté le wave dash kick-off. Je crois que je peux la save. Ouais, je peux la save, mais je n'ai pas de boost. Oh, il a raté mon boost. Il a raté le boost, je crois. Non, il l'a. Ok. Il a du boost, mais il est obligé de clear. On va le faire peur. Voilà. J'essaie de le gêner au maximum. Hein. Les top players, ils empêchent absolument de jouer. Donc c'est ce que je fais, et c'est but. Vous avez vu, en restant collé, en lui mettant la pression, instantanément il sait plus quoi faire. Faut surtout pas que je laisse de l'espace. Ok. Est-ce qu'il va me rush? Je pense que oui. Ok, je pense que c'est but pour moi. Je lui ai laissé croire qu'il pouvait l'avoir. Et je rush au moment où il prend la décision d'y aller, et c'est trop... dur à anticiper. Du coup je joue bien là, 3-0. Après peut-être que l'adversaire n'est pas ultra fort. Ok, parfait, let's go. On va prendre le boost. Boum. N'hésitez pas les gars, au fait j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai fait un petit 1v1 contre D7 en BO3 et j'ai quand même réussi à lui prendre 2 games. Il a upload sa chaîne secondaire si vous voulez voir. Mais ça m'a fait plaisir parce que en D7 est vraiment fort en 1v1. Je me suis dit c'est cool, ça veut dire qu'il y a une petite progression quand même. Mais je vous avoue qu'en jouant contre D7, je me suis rendu compte c'est fou à quel point il est 2 fois plus fort que les mecs que j'affronte en ranked en GC2, GC3. Vraiment, il n'y a pas photo la différence de prise de décision. Est-ce que je peux l'avoir? Oui, je peux l'avoir. J'ai géré. Ok, le petit Breezy. On va prendre le boost. Allez. Ah, je crois que c'est but ça. J'étais naïf. Non, c'est bon, je l'ai. Nice. J'ai pas été si naïf que ça. Ok, je la touche juste pour être chiant. Est-ce qu'il va tirer? Non, je pense pas. J'ai le temps de prendre du boost. Vous voyez qu'il a les fakes, il prend le boost. Dommage qu'il me bump. Je pense qu'il peut pas marquer. Dommage que j'ai pris le boost du coup, parce que là je peux pas l'avoir. Je me suis auto starve. Ouais, j'ai pas le boost. Ça va être but ça, je pense. S'il rush, ouais, ça bute. Je peux rien faire. Le fait qu'il ait eu le boost, ça m'a trop mis dans la merde. Je peux rien faire. Fallait que je gagne le duel absolument. Et lui il a beaucoup plus d'avantages. Mais c'est pas grave, on gagne 4-1. Hop, allez, on va aller chercher le boost mid. J'ai de bonnes balles là. Hein. Il va fake. Ok, il me laisse le temps. Je fais n'importe quoi. Qu'est-ce que je fais n'importe quoi des fois? Je voulais air dribble, mais je sais pas pourquoi je passais trop devant la balle. Et j'étais trop en train de le regarder au lieu de regarder ce que je faisais moi. Petite erreur vraiment bête hein, qui aurait pu clairement être évitée. Ça c'est dommage de prendre des buts comme ça. Et là je vais me retrouver dans une situation de 4-3 alors que j'étais en 4-0. Juste parce que je fais une erreur bête. Plus le kick of goal. Allez Caspo, concentre-toi. Faut surtout pas perdre ce match, ce serait vraiment triste. Ok, bon kick-off. On va pas... Ouais, j'ai fake, c'était bien joué je pense. Contre, je peux pas tirer. Non, je fais n'importe quoi et c'est but. Oh là 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 là, Gaspo. Oh là là.
c'est dur. Hein. En vrai, j'ai pas fait de game de chauffe. J'ai les mains très froides parce que là, il recommence à faire froid. Je commence à... Là, j'ai fait beaucoup d'erreurs que je dois jamais faire. Allez, ce serait bien que je gagne. Allez, un petit kick-off goal. Petit kick-off goal, ça me ferait plaisir. Non, je l'ai pas eu, mais j'ai son boost. Lui, il a pas de boost. Ah, j'ai oublié le bum, j'ai pas réussi. Ok. Je pense que c'est un bon compte. Ah, il me laisse le boost, c'est une erreur. Ok, il va partir en hard dribble, on va le laisser faire. Ouais, c'est de la merde ce qu'il fait. À 1:30. Cadré, mais je vais pas. Bon, je peux prendre son boost. On va prendre le reset aussi. Ah, dommage, putain. J'aurais pu faire un bon contre. Je vois que c'est but ça. Ah, il a pas de boost, je crois. Il a pas de boost, let's go! Je m'en doutais qu'il en avait pas, sinon il aurait sauté clairement sur cette balle. Ok, je me suis concentré, désolé, j'ai pas parlé parce que je voulais absolument pas perdre cette game. Parce que là, c'est, si je la perds, c'est vraiment une game donnée, je trouve. Je vais donner tous les buts. Ok, il a pas de boost, je sais qu'il a pas de boost. Allez, c'est peut-être but pour moi ça. Oh oui, bel arrêt. Mais j'ai la possession. Ok, le boost va spawn. Voilà. Ok, dommage. La frappe lucarne. Ouais, c'est dur à arrêter. Ça, c'est dur à arrêter. J'ai vu qu'il allait s'approcher. Et on tire dans le U. Let's go. Ok. Bien joué ça. On va aller chercher le boost mid. Ok, il a pas de boost. Dommage que je lui laisse ce boost là. Le bump est pas mal, mais je peux pas marquer, je pense. Ouais, j'ai peut-être été greedy là de tenter de tirer. On va essayer de rattraper en défendant. Ok, ça va. Je l'empêche de l'avoir. D'avoir une possession. Non ! Dis-moi que c'est pas but. Non, bon, c'est pas but. Let's go. Je fais des erreurs débiles dans ce match. Il nous fallait une game de chauffe. Heureusement, il n'était pas ultra fort. Ça me permettait de me chauffer en gagnant des points. Donc parfait. Ce serait bien de mieux jouer quand même dans la game 2. D'avoir une victoire un peu plus logique. Parce que là, vraiment, je pouvais gagner 6-0, je pense, si je jouais bien. Ok, on passe à la game 2. C'est parti, jingle. Ok, deuxième game. On est contre Serve 1275. Il est presque GC3, donc ça va être un bon joueur. Allez, on se concentre. Fait le wave dash kickoff qui peut peut-être nous aider. Dommage. Dommage les bumps, mais ça l'a aidé plus que... Oh, il a fait un flick très rapide. Très bizarre cette action. Vraiment, il avait tout le temps du monde et il flick. Je comprends pas pourquoi. Alors qu'il pouvait être tellement contrôlé. On va prendre les boosts. Surtout les boosts pour pas qu'il puisse en avoir. Ok, il fait un tir un peu désespéré. Il y a peut-être un monde où j'ai but ça. Hein. Ah non, c'est de la merde. Restons. Ouais, je peux rien faire. Je peux rien faire de bien. Ok, il a l'air d'être un joueur qui met beaucoup la pression. Il n'hésite jamais à aller sur la balle. Waouh. Le Fisty est très mauvais apparemment. Je comprends pas comment il peut contrôler à ce point la balle et sa voiture qui part pas en couille. Je crois qu'il a même pas dash, il me semble. Ah, il a pas dash. Incroyable. Je suis étonné que ce 50 se passe comme ça. Il a l'air bon, hein. Faut que je me concentre. Ok, bon. Kick-off. Surtout que je prenne le boost là. Ouais, je l'ai eu. Ok, je sais qu'il a pas de boost. Donc il va plutôt se diriger vers les boosts. Bloc. Dommage. En vrai, c'est dommage, il a pas de boost. Je devrais aller dans les airs. Ok. Et bon, 50. Oh, la chance. C'est bon, je crois que je l'arrête. Ouais, c'est bon, je l'arrête. Mais c'est quand même pas de chance. Il a l'air beaucoup plus fort que moi en 50. Il les prend très bien. Non. Ok,
Ok, ça va, je vais le booster la balle. On va prendre un fake. Il va l'avoir. Ah, c'est but ça. Il a bien joué. Il a joué vite. Je me suis fait surprendre. Qu'est-ce qu'il joue bien? Ah, j'aimerais bien le battre lui. Ça me ferait plaisir. Ok. Ok, on va prendre du boost. Il a le reset, attention. Ouais, je l'ai vu qu'il avait le reset, mais je me suis dit. Il a peut-être tiré vers l'avant et pas vers le haut. Peut-être naïf de ma part de sauter là, je dois peut-être attendre au sol. C'est vraiment naïf. Des fois, je veux tellement mettre la pression que je fais n'importe quoi. Ok, belle save. C'est but ça, hein, on est d'accord que c'est but. Si je cadre les open, parfait. Let's go. 3-1, 2040, c'est clairement pas fini. Allez, allez Gaspo, tu peux le faire. Et le kick-off est pas mal, je récupère le boost et potentiellement la balle. Ouais, c'est un peu de la merde ça par contre. On va le laisser tirer, je pense que c'est ce qu'il va vouloir faire. Ouais. On a reset mais j'ai plus de boost là. Oh le reset est excellent. Oh je suis excellent comme joueur, let's go. C'est tellement chiant pour lui à défendre. J'étais très fort là. Je pense que mes mécaniques de freestyle m'ont vraiment aidé. Je savais bien quand dash pour toucher la balle. Hop. Oh j'ai pas le boost abusé. J'aurais dû flic en même temps que lui. Et je contrôle. Et... je vais fake. Dommage. Je voulais fake et dribbler mais il l'a vu. Il a pas été naïf. Peut-être que je devais l'utiliser mon reset, je sais pas. Un reset bien placé, c'était bien. Ouais. Mais bon, décevant. Ok, on va voir ce qu'il fait. Oh non, j'ai loupé le boost. Il va air dribble. Parce que c'est pas ouf un air dribble. En 1v1. Ah, si je l'avais bump. Ok, on va flick. Et on va prendre ce boost là s'il spawn. Non, il spawn pas. Ok, bon contre. Est-ce que le boost mid peut spawn s'il vous plaît? Ouais. Fait chier, il va marquer du coup. Ouais, ouais. Putain, comment il me démo sans boost là? Je comprends pas. Je trouve qu'il a recover vraiment vite. Je suis étonné. Alors, on perd clairement contre meilleur que nous. Hein. Il est vraiment plus fort que moi, je trouve. Ok, j'ai bien bloqué. Dis-moi que j'ai le boost sans me faire bump. Ok, je me suis pas fait bump. Ok, c'est pas mal comme contre. Peut-être une frappe, ça peut être bien. On prend le boost. Reset. Ouais, non. Je tente des moves trop compliqués. Dommage. Ah 6-2, 47 secondes, ça me paraît perdu. On va voir ce qui se passe au kick-off, mais... je suis content en tout cas de jouer contre des mecs comme ça. Ça me fait plus visualiser mes erreurs. Ok, ah il est chaud. Hein. Il est chaud. Allez, petit reset. Double reset. Ah oh, dommage, c'était bien joué. Ok, on va abandonner. Tant pis, je pense que j'ai fait trop de moves en l'air dans cette game et des moves en l'air pas efficaces. Donc ça m'a porté préjudice. Il faudrait que j'arrive à plus contrôler ce que je fais contre les adversaires pareils. En tout cas, j'espère le rejouer dans la game 3. Et c'est parti pour la game 3, la dernière game de la vidéo. Allez, la troisième game encore contre Serve qui est très très fort. Ok, cette fois il faudrait le battre, ce serait cool. Allez, je me concentre. Je donne tout ce que j'ai. On va prendre le boost. Ok, il la met bien haute. Il a essayé de faire un move assez compliqué. Est-ce que je peux la mettre? Je sais pas, putain, j'ai raté ça alors que c'était open. Hein. Je suis vraiment décevant des fois. Ok, il va l'avoir.
c'est un bon adversaire, donc faut quand on a les open, il faut les mettre, vraiment important. Ok, j'ai eu de la chance sur le flic de mon adversaire. C'est but ? Et oui, c'est but, il avait pas de boost, il avait pas le temps de back. Ok, parfait. Ok, très bon kick-off ça de ma part. Faudrait bien en profiter. J'ai vu qu'il me rushait, je me mets derrière la balle. On va prendre les boosts. On va partir en air drip bump. Ah, j'ai raté. J'avais pas de quoi m'envoler. Oh, il a tenté un move un peu compliqué, mais j'ai pas de boost par contre. C'est le problème. Je sais pas si j'ai le temps de prendre le boost. Ok, parfait. Allez, le flic, bien joué. Il m'a pas rush. Et j'ai plus flic, let's go. Je suis content là. Je suis content de comment je joue. Allez, on continue. Nice. Oh, il rate. Oh, il rate complet. Peut-être qu'il a pris la confiance vu qu'il vient de me battre à la game d'avant. Et du coup, il se fait punir. On va peut-être le voir se concentrer à partir de maintenant. Faut faire gaffe. Allez, un bon Moxie kick-off là, ce serait cool. Ouais. Ok, il a pas de boost, il a pas de boost. On le sait. Ah, je m'en doutais qu'elle me rush. Par contre, j'ai pas eu de chance sur le fait qu'il me bump. On va lui faire peur, on est proche. On veut le faire jouer. Ah, je savais pas quoi faire, j'étais tellement dans la merde. En fait, j'ai touché la balle et je me mets à m'éloigner de mon but, donc je peux pas contrer s'il y a un tir. Je savais pas quoi faire. Ouais, plutôt que je me dirige vers mon but, je pense. Ok, on va faire un reset. Ok, parfait, le reset est excellent. Par rapport à la game d'avant, où je faisais des resets plutôt inefficaces. Là, cette fois, ils sont dangereux. C'est bien. Ok. On va prendre du boost. Encore prendre du boost. Merde, je pensais pas pouvoir toucher la balle. Oh non, c'est pas dedans. Ok, j'ai failli prendre un but parce que je freestyle. On va faire un fake air dribble. Et en fait, je contrôle. Le flic est bien. Ok, et là, je pense que je vais faire un setup selling shot. Ouais, selling shot est pas mal. Et on va fake. Ok. Il a réussi à défendre, bien joué à lui. Oh, ok, c'est très dangereux de sa part. Prendre ce boost mid. Vous voyez ce qu'il allait faire. On la lève, prend le boost. C'est bien comment on se déplace là, j'aime bien. Et on bump, dommage. Si le bump passait, c'est excellent. Il est pas loin de moi, faut faire gaffe aux démos. Pas fake. Ok, il s'y attendait. Il s'y attendait. Mais moi aussi, je m'attendais à ce qu'il s'y attendait. Et du coup, ça faisait un contrat. Bon, allez, voilà. Comprenez, c'est Death Note. C'était Death Note, là, ce que je racontais. J'avais prévu que tu avais prévu. Excellent. Oh, il m'a psycho la gueule avec le poteau, incroyable. Incroyable cette action. Il a énormément de chat. Et là il est complètement tilté, j'ai l'impression. Complètement tilté le serve. Et oui, j'ai réussi à le battre. Et avec la manière hein. Avec la manière, je l'ai battu de beaucoup. Donc très content. Très très content. Je pense que j'aurais dû mieux jouer la game d'avant. Et j'aurais pu peut-être le battre deux fois. En tout cas, on aura gagné quelques points dans cet épisode. On est à 1286, toujours div 4, toujours pas GC3, mais peut-être que demain on pourra l'être, qui sait. Allez, en tout cas on a gagné les points, c'est le plus important, c'est ce qu'on veut,
On va passer à la fin de cet épisode. On se retrouve dès demain pour la suite de la série Invest 1. C'était Gaspo. Ciao.